nous allons présenter la première line-up que j'ai appelée Winnie the Pooh. Alors non, évidemment, extrêmement recherché, tout simplement parce que cette line-up va être tournée autour d'un lone druide. Le lone druide sera joué par Marsu. C'est vraiment une horreur. Attends. C'est mon retour sur Dota. Bonne année, Marsu. Il joue l'ours. Parce que je pensais que c'est capable. Non mais il va chier. En vrai, cher, moi je joue l'ours si tu veux. Non, interdiction. Il n'y a pas que l'ours. Moi je joue que le courrier, puis vous irez le héros et l'ours. Il va falloir évidemment bien l'aider et il va falloir une micro sur l'ours au poil. Et donc le principe sera juste deux buffs l'ours, chaque héros a un sort pour, le Beastmaster qui a Nécro, Invoker qui a Alacrity, le Yu qui voilà, le booste naturellement avec son Taser, et la Bloodlust de l'Ogre Magie. En plus l'Ogre Magie devra sortir un Solar Crest. Ouais, il y avait une règle que tu m'avais mis par PM qui avait fait tous les charmes de ta strat. Ah ouais, alors attends. Qui disait, il n'y a que l'ours qui a le droit de taper les bâtiments. Ah, c'est ça qui m'a convaincu. La seule chose qui a le droit de taper les bâtiments chez nous, même c'est les T1. Même les T1. Et puis toutes les 10 minutes, il y a un défi qui pop. Hein, oh, ils nous ont snipé. Les fils de chien. Franchement, tant qu'ils nous niquent pas notre strat. C'est Fabrice. What the fuck, on est contre vous. Ouais. Ça alors, nous sommes contre vous. Et c'est incroyable. Il y avait tellement peu de chance. Le hasard, vraiment. Mais le hasard n'existe pas. Alcméon de Croton l'a amplement démontré. Ah non, elle me vient dessus. Le creeper du gars. Non, mais quoi? On peut peut-être tenter à faire un bar, mais maintenant j'ai accès aux routes. Allez, Blélu. Ouais. On entre dans le scoreboard maintenant, c'est là. Oui. Allez, on entre dans le scoreboard. Putain, il est chaud ce breton, ça se voit qu'il est divine, hein. Marsu, il y a du monde derrière toi. Tu peux essayer de pull le gros camp, là? Oui. Oui, Marsu. Peut-être pas maintenant qu'il t'agresse, mais... T'as un fier si besoin. Oh ouais, mais quel joueur. Mais le mec a la micro d'un dieu. Il y a de la guerre là. Fais gaffe, il y a le Grim pas loin. Il y a le Grim ici. Il y a la crop qui arrive, J'ai pas de TP en plus pour venir. Moi je peux TP dans 4 secondes. Là, ça se travaille. On a raté le chien. Dans la base. Je peux TP dans 3 secondes. Je TP au shrine. Oh non, ça va pas tuer assez. Allez, je pense qu'il tue là. Il tue jamais. Ok, t'es en bas. Ça stick. Ah, j'avoue, j'avais le stick. Ouais. J'avais spammé le bouton. Allez, kill. Allez, j'ai passé. Encore. Allez, H qui touche. Il est slow, quel joueur. Et là, là. Franchement, on devrait monter une équipe d'experts. Vous avez des trucs à mettre là, parce qu'ils ont pas la griffe. Hein. Ouais, non, mais moi je lui mets Solar Crest et à la critique qui arrive, mon gars. Protégez vos joueurs, protégez. Vas-y, envoie les cochons! J'ai plus de talent sur les haches, là, ils prennent trop cher! Oh le multicast! Oh, 3 secondes les haches! Boule de neige, attention! Tu en as! C'est parti! Tapez, vous avez bien les cils! Encore! Dégo! Encore! Les experts! C'est vraiment les putains de bon, fou là! Allez, go, à la critique lourde là! Il mange les T4! J'arrive en relocate! Oh la vache. Oh là là. Non, le trône. Bah, je suis en follow sur lui là. Oh le trône. Je me fais go. Oh non, je suis dans les. Faut libérer l'or. Ça pour. Save the door. Mais la cop, mais on la laisse pas faire là. Oh là là, le win. Aïe. Oh putain, j'ai trop. Mais bon, en même temps, honnêtement, enfin, là mais... on a eu de la chance parce que les joueurs contre qui on est tombé, c'était vraiment des grosses merdes, du coup, c'était relativement facile. Cette fois, ça va être Hugo. N'hésitez pas à prendre un petit crayon et à prendre des notes parce que putain, c'est toujours la merde. Hugo, on t'écoute. Dans la strat, c'est un pour tous, tous pour un. Nous sortons d'une année 2018 exceptionnelle pour la France. La France est des champions du monde de football. La France a été champion du monde de Dota. Oh, et Handball aussi, je crois. Et Handball, ouais, effectivement. Ouais. Plein d'autres. Burning. Le principe de ce strat, c'est qu'on va créer un terrain de jeu et on va forcer nos adversaires à venir se battre dans le terrain. Nous allons fonctionner sur une stratégie de 2-1-2. Marseille de Salish et N'Golo Chanté.
Ça, c'est le cœur de la strat. Mais ensuite, vous en doutez, nos adversaires ne vont pas nous laisser jouer. Hein. Un peu à la manière de Materazzi en 2006. Ils vont tenter de faire vaciller notre stratégie. Et pour ça, nous avons deux ailiers. Monkey Killian sur l'aile gauche. Qui est... T'es un peu raciste. Ouais, j'ai hésité à faire la blague parce que... Mais bon, on s'est déjà fait ban, donc on n'est pas à ça près. Ouais, oh, là. Il est presque mort, il est presque mort. Allez. Vigilance, vigilance. Ah, il avait juste. On a encore des rien là pour. Moi j'ai rien. On a plus grand chose. Oh, oh, Bojagon. Continue après. Allez. Fais-lui. C'est un région de justement. Aïe, aïe, aïe. Le shrine. Ils sont pas bien, ils sont pas bien, ils sont pas bien. Le shrine, shrine, shrine. L'Odé, il va être emprisonné. Je le silence. Pas du tout. Oh, dommage. Continue. C'était continue, L'Odé. Oh. Les silences, les. Oh, l'antimage, l'antimage. Faut des bonjours. Oh, ouais, ouais, ouais. Silence, là encore. Oh, oui. La glimmer cap. Oui, 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 oui. Encore la glimmer cap. Allez. Putain, les gars, on est en finale. Dans 8 secondes, on se split, hein. Est-ce qu'on reste? Comment on back? Ils sont coincés, il est coincé, il est coincé! Il est silence, il est silence, il est silence! On le buzz! Il est fier, il est silence! Il y a le Darkseer, il y a le Darkseer! J'ai eu le temps de griffe! Ah en bas! Je perds pas de mana, il perd pas de mana! C'est impossible! C'est impossible! Il est plein de mana! C'est qui Raymond Domenech? L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Ah oui! T'as un fier sur Darkseer. Oh là 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 là! Je me fais go! C'est bon, c'est bon, t'es mort, t'es mort! On peut finir le Darkseer ou pas? Oh putain, y'a le champ de Darkseer, ouais. Vraiment! Tue l'Illu, Medusa! Je peux pas tuer le Darkseer, je peux pas le finir! C'est bon! Je peux pas le finir! Tu crées l'espace! Je peux pas le finir! On prend 3 bonnes. Je peux toujours pas le finir! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Non, je veux pas le finir! Déjà depuis ici. La course folle. Oh là là. Oh là 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 là. Exceptionnel. L'objectif, c'est très simple. Il va falloir jouer la game de manière assez normale, de manière assez naturelle. Et à un moment donné... Mais il faut gagner ou pas? Oui, bah oui. Bah, c'est pas naturel. Ah non, mais il faut préciser, parce que moi, ouais, d'accord. Il faudra essayer de gagner d'une certaine manière. Le Sven va devoir faire un aganim. Avec cet aganim... Ça commence mal. Il sera mangé par le Lifestealer qui lui aussi aura fait un aganim. Le Lifestealer rentrera dans la Médusa avec le Sven à l'intérieur de lui. Et le Yo ira relocate la Médusa vers l'objectif. Et si au possible, on gagne la game comme ça. Et le Beastmaster, il se fait chier quoi. Le Beastmaster, il se touche un peu. Ouais. Il envoie... Les Regolulu, ils ont plus le ravage, hein. Est-ce qu'on a les CD là? Gérilo, je cherchais Martieux. Oh le bolos! Pas de temps que ça en fait. Et en plus, y'a plus de creep ici. Y'a plus de creep ici. C'est parti! C'est parti! Mec, ils ont tout lâché, y'a rien! Il se passe rien dans cette game! Allez, super, relocate pour courir. Ouais. Oh, c'est. Qu'est-ce que c'est? On se barre. Allo? Oh non, bonjour, bonjour, bonjour! Non, mais attendez, on a le droit à un remake, non? Attendez, je suis quoi ça là? Pourquoi il nous court dessus là? Du you, t'as qu'est-ce qui se passe en 15 minutes? C'est quoi ça? Ah, bah la strat elle fonctionne pas là! Moi je suis à 0,7 là! Mais arrêtez de pleurer, Gogan, cette game! Bah putain! Mais je fais vraiment tout le tour, hein! Comme un Mexique, hein! Ouais, je longe la gauche aussi là, il est impossible qu'il voie. Donc j'ai mon ordre que dans 3 secondes. Tu nous fais le truc qu'on court vite et on lui court dessus là? Je le rends, oh ouais, rien à foutre. On tue le position 5 adverse, allez, dégage. J'ai cliqué dessus. Oh là, les mecs, c'est rentable, hein, ils sont tous en bas là. Ah bon, on push pas là. Si. Au pire, j'appuie sur le bouton d'ulti, on se barre tous. Le red button. Ah merde, red button, red button, red button. Tu as appuyé sur le bouton du l'ulti là. J'ai même pas pu le. Mon gars, j'ai cru là, c'est la cortelle. Allez, tu dégages. Ouais, j'en reviens. Arrive doucement mais sûrement l'équipe. Bonjour à la base, dans la base les gars, dans la base. J'ai un buyback, j'ai un buyback. Ils peuvent rien faire. Buyback. À part nous tuer. Dans la base. Il nous tue pas, il tue pas Lulu, c'est oh bon, là, on peut défendre. Le ravage.
Voilà, merci. Allez, on est bon. On peut tuer le Rubik, on peut tuer le Rubik. Ouais, on peut tous la tuer. T'es l'autre jeu. C'est le comeback. Oh ouais, avec le Vlad. Allez, il crève. Ah, c'est le Vlad qui arrive, mon gars. Encore. Je mets l'oiseau. Le oiseau, il traverse. Killing Blade. Oh non. Je suis mort, mais je l'ai. T'as Killing Blade? Je crois pas, je pensais avoir trouvé le bon, mais il était pas stun donc. C'est l'oiseau! C'est tellement gagné cette game! Ouais, ouais, j'ai tellement le cul, putain, c'est gagné! Je tenais à vous dire, j'ai jamais douté. J'ai vraiment jamais douté. On a glyphe, hein, tranquille. On prend les racks en bas pendant ce temps-là. Hein. Je sais pas si le mot rack c'est bon. Le MK, il a marqué dans un arbre, sorti. Je l'ai fait tomber le MK, il est scan. Tu crains rien. Je rends le MK. Putain, je n'ai rien. Allez, YOLO. Il y a un ulti MK qui va arriver sous. Paf. On le baise. Donc je vous rappelle, Marsu ulti, Lulu mange Marsu après que Marsu ulti, Lulu me rentre dedans, on relocate. En Q gauche, on relocate sur la T3. On relocate sur la T3 ici là. À droite. En haut. À droite, okay. C'est pas ouvert. À droite. 1, 2, 3, j'ulti. Attends, mais quoi? Non, relocate à droite. Mais c'est ouvert. Dans la base. Ah, mais ça passe, regarde. Ouais. Bah, là, il est arrivé à la gauche. Ok, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu l'espace. Attends, il quoi après notre... Et j'arrive Lulu, je te pose Shrine, tu peux prendre Crash. Ensuite, tu peux venir. On le baise. J'ai pas eu back, j'arrive. Il a pas volé l'ulti, c'est vrai. On peut crever là. Putain, allez, ça va partir le stun. Où la tombe, elle est où là, putain. Il a pas dodge. La tombe est tombée, LOL. On fait la reload, T4. Oui. Ok, j'active. Allez, amusez-vous bien les mecs, à tout à l'heure. Ciao. Pas que tu meurs, Hugo. Hein. Mais là, Hugo, t'as pas le droit de mourir. Hein. Hugo, faut pas que tu meurs. Hein. Allez, bâtard. Fais tomber, Hugo, tu vas mourir. Non, Hugo. Oh putain. C'était un mec, les gars. Oh putain, ça passe pas. Si, ça passe. Ils ont pas de buyback. Je suis là, j'arrive avec la cuirasse. C'est bon, je suis là, les gars. Il a tous les coups du monde qui lui courent après. Oui, j'ai tout ramené avec. C'est du farm, c'est du farm pour Yoyo. Ça passe là. Regardez, j'ai ramené les creeps là, y'a plus de backdoor là. C'est gagné. Oh là là. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué une araignée, sauf qu'il y avait plein de petits bébés en dessous de l'araignée et tout s'est éparpillé. Oh là là là